Nous sommes réunis aujourd'hui pour la publication du bouquin numéro 9 sur les cagots malades de la lèpre. On vous mettait à genoux, un drap mortuaire sur la tête et on prononçait une oraison funèbre. Aussi, près d'un village du paradis. Cette histoire s'intitule sur l'épaule, bien en vue, il y a ce morceau de tissu de couleur rouge qui forme comme une patte d'oie. C'est un grand garçon de 11 ans. Tous ont tourné la tête pour bien montrer qu'ils ne voulaient pas les voir, ni encore moins leur parler. Ils n'ont pas le droit d'en utiliser un autre, parce que c'est interdit. Il y a encore eu des procès à... Le Bourouchka que nous avons réalisé a essayé de rassembler tous les éléments dont nous disposions sur le problème des cagots. Linge de la tête aux pieds, marqué de la patte d'oie rouge, signe d'infamie. Ils m'ont tendu une supplique qui réclamait la réhabilitation des cagots. Je suis en vivant en vivant, et que j'ai tout ça, en vivant.